1997 à 2004, la revue électronique Antidata se consacre à la publication de textes courts. En 2004, les éditions du même nom prennent le relais. Au programme, des nouvelles, bien entendu, à l'unité ou en recueil, ces derniers pouvant être collectifs ou individuels, mais aussi des dialogues ou encore des lettres. Le rythme de publication est de 2 ou 3 titres par an et en 2018, Antidata compte 29 titres au catalogue. Aujourd'hui, la revue Saint-Ambroise rencontre Olivier Salin, qui est l'un des fondateurs de cette maison parisienne. Alors, de façon préméditée, pas vraiment. Après, a posteriori, quand on regarde derrière et qu'on voit ce qu'on a sorti, sans doute. Ou alors s'il y a un esprit prémédité, enfin s'il y a un esprit Antidata, c'est les autres qui nous le renvoient. Parfois assez étonné, mais on a dit que la maison était un petit peu rock'n'roll. Alors c'est peut-être dû au fait qu'il y a pas mal de musiciens à la fois dans l'équipe et dans les auteurs. On a aussi parlé à notre propos d'écriture urbaine, ce qui n'est pas du tout pour le coup prémédité, mais ce qui est probablement vrai. Après, au-delà de ça, en tout cas, il n'y a pas de volonté particulière d'une ligne éditoriale qui serait étroite. Voilà, tout ce qui nous touche, on le publie. Sans que ça rentre forcément dans un cadre qui soit prédéterminé, tant du point de vue du style que du point de vue de ce qui est raconté. D'accord. Et les collections naissent comme ça au fur et à mesure des publications aussi, ou elles sont organisées? Alors au départ, on voulait simplement publier du texte court, donc évidemment de la nouvelle. Donc il n'y avait pas à l'origine un plan pour établir plusieurs collections. On a commencé par sortir des recueils de nouvelles tout à fait classiques. Et puis, un jour, on a décidé de sortir quelque chose qui était du court, mais qui n'était pas de la nouvelle, qui était des dialogues, et le recueil des entretiens d'embauche. Et il était illustré. Et pour ça, ce format-là, en fait, quand il y a des illustrations, il est un petit peu trop serré. Donc, on l'a élargi un peu, ce qui donne ça. Voilà. Et on a commencé avec des entretiens d'embauche, on a suivi avec des lettres de motivation, et ça c'est le troisième, et ça concerne, ça tourne aussi autour du monde du travail, mais c'est à la mode science-fiction. Et donc du coup cette collection, mais ça s'est un peu construit comme ça au fur et à mesure, elle traite du monde du travail, ce qui est a priori pas un sujet spécialement littéraire, mais ce qui nous intéresse. Voilà, donc il y en a 4 pour l'instant dans cette collection. Et vous faites aussi un travail sur la maquette qui s'adapte justement aux collections? Alors au départ, on faisait un travail vraiment minimum, parce qu'on n'est pas graphiste, aucun d'entre nous n'est graphiste professionnel. Donc au départ, les maquettes étaient très simples. Là, j'ai pas d'exemple parce que c'est les vieux titres en fait qui ont été maquettés de façon ultra simple avec des couvertures noires basiques. Comme on n'était pas graphiste, on voulait éviter de faire moche, donc on voulait faire le moins possible. Et puis on a rencontré quelqu'un qui est graphiste professionnel et qui fait nos couves depuis maintenant un paquet d'années. Et donc on a du coup des couvertures très colorées et à l'intérieur on a une mise en page un petit peu chiadée, surtout quand c'est des recueils collectifs, parce qu'on essaie de s'amuser un petit peu et de faire une présentation qui colle un peu de façon ludique avec le thème choisi. Donc par exemple pour la cabane, c'est le dernier qui est sorti, les bios, alors c'est surtout avec les bios des auteurs qu'on s'amuse, elles sont présentées comme ça. Comme la paroi en bois d'une cabane avec la police, je sais pas comment elle s'appelle, mais qu'on voit sur toutes les caisses en bois, les caisses de pommes, etc. Voilà, et à chaque fois, on essaie de trouver quelque chose, on se creuse la cervelle pour avoir une mise en page un petit peu drôle, un petit peu amusante, quoi. Voilà. Et au niveau de votre ligne éditoriale, vous avez l'ambition de découvrir de nouveaux auteurs. Je pense au recueil collectif parce que ça me semble un moyen justement de découvrir de nouvelles plumes. Bah, c'est surtout ça au départ qu'on voulait faire, parce qu'on ne s'est jamais dit que tous les grands auteurs allaient se précipiter vers nous pour publier leurs petits textes courts. Donc on publie surtout en fait des auteurs peu ou pas connus du tout. Pas mal de débutants, jeunes ou pas jeunes, mais voilà, c'est sur un recueil collectif comme celui-là, il y a quand même au moins la moitié des auteurs qui sont débutants, et le reste qui sont un petit peu plus confirmés, mais sans avoir non plus forcément publié chez des grands éditeurs. C'est assez varié, mais il y a un peu de tout en fait. Et ensuite, certains deviennent des auteurs maison, et comment vous travaillez avec eux si c'est le cas? Ça va même parfois plus loin.
je dis pas qu'on couche avec, mais certains deviennent des amis. Et oui, on essaie quand même, comme tous les éditeurs, je pense, de suivre un peu les auteurs, pour que ce ne soit pas à chaque fois qu'une seule publication. Donc ce qui se passe très souvent, le cas typique, c'est des auteurs qu'on rencontre par le biais d'un envoi suite à l'appel à texte pour un recueil collectif. Et une fois, deux fois, et puis comme ça, quand il s'avère que vraiment il y a quelque chose, quoi, qu'on trouve que l'auteur a un style intéressant et qu'en plus ça tient la route d'un recueil à l'autre, d'un recueil collectif à l'autre, on lui demande, ou alors il nous propose un recueil individuel. Ça a été le cas pour pas mal d'entre eux. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais voilà. Et puis alors il y a des auteurs aussi qui par la suite, après être passés chez nous, ben, ont la chance de publier chez des éditeurs plus importants. Tant mieux pour eux. D'accord. Le but n'est pas de les garder absolument, parce qu'on reste, et je pense qu'on restera petit, parce qu'à partir du moment où on fait de la nouvelle, les espoirs de grossir sont quand même assez peu réalistes. Et du coup, justement, la nouvelle, c'est un engouement par goût ou par engagement? Comment on reste dans la nouvelle, justement? Alors, c'est par goût, évidemment. Je pense que dans l'équipe, tout le monde a de bons souvenirs de lecture de nouvelles qui datent souvent d'assez longtemps, puisque au collège et au lycée, il y a souvent des... Je pense à Maupassant, évidemment, hein, c'est un peu inévitable, mais voilà, bon, on a tous été marqués par ce genre d'auteur. Mais il n'y a pas que ça. Bon, je pense pas qu'on se serait senti très utile quand on a commencé si on avait publié des romans. Parce que je sais pas combien, j'ai oublié les chiffres, je ne sais pas combien de romans sortent tous les ans, mais on a quand même un peu l'impression que... il y a les éditeurs qu'il faut pour faire ça. Alors qu'en revanche, du côté de la nouvelle, il y a visiblement un manque, donc on se sentait utile, en fait, on avait l'impression qu'on pouvait apporter quelque chose à notre petit niveau à nous. Donc voilà, c'est surtout pour ça, en fait, qu'on a choisi de faire du texte court, parce qu'on aimait la nouvelle et aussi parce que la nouvelle était un peu mal aimée, peut-être, par beaucoup d'éditeurs français qui se contentent, en fait, de publier les recueils de leurs romanciers connus. Et est-ce que le cours, justement, permet une exploration ou une diversité que, selon toi, ne permet pas forcément le roman ? Non, je formulerai pas ça comme ça. C'est surtout que la nouvelle exige quelque chose de très élagué. Il faut tout de suite entrer dans le vif du sujet. C'est un peu c'est des petits objets qui doivent être un petit peu parfaits. Sans gras, comme c'est très petit, très court, on ne peut pas trop se permettre de divaguer. Dans une nouvelle, on ne peut pas trop se permettre d'avoir des passages faibles. Dans un roman de 400 pages, s'il y a 50 pages, s'il y a des moments qui sont un petit peu plus faibles que d'autres, ce n'est pas très très grave. Dans une nouvelle, il faut que ça soit vraiment un objet quasi parfait, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Après, nous, on n'est pas contre les romans, on adore les romans aussi. Hein. Au niveau de l'exploration, je pense que le roman permet peut-être plus de choses par son ampleur quand même. Mais la nouvelle, au niveau du style, en tout cas au niveau de la forme, est très exigeante. Et justement, le travail avec les auteurs, est-ce que vous retravaillez le texte ensemble? Est-ce que vous reformulez? Est-ce que vous l'encouragez à aller plus dans la concision pour certains ou... Ben oui, justement, oui. Notre rôle consiste, on a des grosses cisailles, et en fait, on fait que ça quasiment, hein. On coupe, quoi, on élague. Et on fait ça beaucoup, puisque, comme je disais tout à l'heure, on travaille beaucoup avec des auteurs qui n'ont pas forcément beaucoup de métier. Donc oui, on corrige beaucoup. Alors, pas pour tout le monde, hein. Il y a des auteurs, on n'a pas changé une virgule. Ça arrive aussi, c'est assez agréable d'ailleurs, ça fait du travail en moins. Mais en même temps, le travail de correction est un travail qui se fait vraiment en collaboration avec l'auteur. Ça donne lieu à des discussions et en fait c'est vraiment la partie la plus intéressante finalement, même si c'est parfois pour les recueils collectifs où il y a 12 ou 15 nouvelles, ça peut être lourd, long, fastidieux parfois, mais en même temps c'est vraiment ce qui est le plus intéressant. Donc oui, on fait pas partie de ces éditeurs qui sont dans le tout ou rien, qui prennent un texte tel quel ou qui le rejettent. Ça nous arrive de prendre un texte sur lequel il y a énormément de travail, mais parce qu'on sent qu'il y a quelque chose. On bosse beaucoup avec les auteurs, ouais.